Et je crois que tu as envie de nous emmener aussi dans des réflexions sur le métier d'architecte et sur un petit peu une nouvelle approche que dicte l'époque que nous traversons. Donc on va te laisser prendre la main. Ce que je vous propose et ce que vous allez voir à l'antenne sur cette séquence-là, c'est deux choses en même temps, des interventions successives, parce qu'on va laisser à chacun de nos invités le temps de dérouler quelques diapos. Et puis, entre vous, évidemment, on va essayer d'entretenir et de créer un dialogue et des échanges et d'insérer des moments de respiration. Donc, on va afficher tes diapos, Olivier, et on y va. Ok, c'est parti, super, merci Alain. Effectivement, peut-être je vais dérouler ce que j'avais envie de vous dire ce matin, au moins en préambule, en deux temps. La première, je ne sais pas si on voit la première diapo, voilà, c'est ça. Donc comme tu le rappelais, effectivement, on est situé à Marseille, et ce que vous avez là sous les yeux, c'est une coupe, alors une parmi tant d'autres, mais sur la région sud. Donc c'est une coupe à très grande échelle, où on voit à droite de l'image, en orange, le massif des Écrins qui culmine à 4100 mètres d'altitude. Et ce que vous avez à gauche, c'est le fond de la Méditerranée dont le plancher est à peu près à 2500-2600 mètres de fond. Ce qui nous donne une dénivelée d'environ 6700 mètres, voire un petit peu plus. Et pour passer de ces dénivelés très importants, on a de la haute montagne, de la moyenne montagne, des collines, des lacs, des plaines, delta au niveau du Rhône. Et tout ceci crée en fait des écosystèmes, des climats et une biodiversité extrêmement riche et extrêmement variée. Donc c'est extrêmement important. Si on peut peut-être passer à la slide suivante. Ce qu'on voit là, c'est, alors, je le mets, hop, ici, c'est le cycle de la construction de la ville que j'ai appelée la ville fossile, c'est-à-dire ça fait à peu près un siècle que la ville se construit de cette façon-là. Donc l'objectif, c'est la rentabilité financière. Donc la nature, dans ce contexte, est une source d'exploitation. Donc pour concevoir cette ville, on a tout un tas de spécialistes qui sont généralement en silo, qui maximisent leurs compétences plutôt que de les optimiser. Et donc ça produit un certain nombre de répétitions. On a tous en tête des centres-villes, que ce soit à Paris, à New York, à Londres ou en Asie. Ces grandes tours de verre et de béton qui sont souvent tout identique et qui génère tout un tas de pollution et de problèmes. Donc si on passe sur la suivante, nous ce qu'on se propose de faire, la précédente pardon, c'est de réfléchir à ce que pourrait être la construction de la ville biomimétique en ne prenant plus la nature comme une source d'exploitation mais plutôt comme une source d'inspiration. À ce moment-là, l'objectif deviendrait la connaissance. Et non plus l'argent. Et donc, du coup, ça amène à repenser notre façon de concevoir ces villes en étant beaucoup plus multipartenarial, en favorisant davantage la recherche plutôt que les silos. Et ça ouvre le champ à un certain nombre d'innovations, à beaucoup d'innovations et donc à la durabilité des villes. Et à partir de là, l'argent pourrait entrer en ligne de compte. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, tu le rappelais, Alain, avec Tangram Architect et le Tangram Lab, c'est de miser sur la connaissance et de miser sur la nature comme source d'inspiration. Donc, on peut passer là à la diapo suivante. Et donc, ce que vous avez ici, c'est l'image de ce que représente un peu le Tangram Lab vis-à-vis de Tangram Architect. C'est une espèce de petite pilotine qui essaye de faire avancer les choses avec beaucoup d'agilité dans une direction qui est celle des innovations plus durables. Je le rappelle, ça va sans dire, ça va mieux en le rappelant, le secteur de la construction en France aujourd'hui, c'est à peu près 25% est responsable de 25% des émissions des gaz à effet de serre. Donc on a une responsabilité très forte en tant qu'acteur de la construction sur changer les choses, sur regarder en face les problèmes qui sont face à nous. Et si on passe sur la diapo suivante, ça c'est un peu notre feuille de route. Donc on a l'ambition de développer des solutions bio-inspirées. Pourquoi? Pour faire face aux grands enjeux de ce siècle. Donc, la Terre se trouve au centre
Et pour répondre à ça, on a développé autour de 4 axes de recherche qui sont l'énergie, la matière, les déchets, la biodiversité. Sont pour nous les 4 leviers les plus importants qui vont nous permettre d'agir sur ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, on propose des solutions bio-inspirées pour l'architecture et la ville, évidemment, mais aussi pour le monde marin. Parce que, comme je vous le montrais en préambule, les écosystèmes entre, au moins pour notre région, mais la plupart des villes sont littorales, donc c'est vrai à toutes les échelles, en tout cas à l'échelle de notre planète. Réfléchir à la fois au monde marin, à l'architecture et à la ville, ça a beaucoup de sens. Donc voilà, sur la première partie, peut-être pour lancer les choses, je veux bien, Alain, te relaisser la main et peut-être avancer davantage. Merci. On a des projets que peut-être au cours de l'émission, on pourra partager et continuer. Alors, écoute, on va faire 2 choses. D'abord, je te remercie beaucoup, Olivier. Effectivement, on va faire on va s'insérer dans tes diapos, mais on les reprendra après parce qu'évidemment, tout est calé. Mais effectivement, merci de cette invitation à faire réagir. Et notamment, je me tourne vers Anouk Legendre et Stephen Ware parce que tu as posé 2-3 principes de départ qui consistent à dire qu'il faut passer d'une nature source d'exploitation à une nature source d'inspiration. Et tu as même prononcé le mot de ville fossile. Alors, les fossiles, c'est magnifique hein, et c'est fantastique. On en parlera demain avec 2 chercheurs du muséum. On va parler de paléobiomimétisme, mais ça a aussi une connotation un peu négative. Mais je voudrais une réaction de Stephen Ware sur la façon dont les architectes sont aussi interrogés et interpellés par l'époque que nous traversons. Et cette appréhension de la nature par les architectes, est-ce qu'elle est aussi en train d'évoluer avec les évolutions du monde ? Oui, déjà, je tiens à féliciter Tingram en particulier parce que, et la même chose pour XTU à côté, c'est l'implication dans la recherche. C'est le fait de dire que notre métier ne consiste pas simplement à répondre à un programme, un cahier de charge, mais d'aller au-delà, de se poser certaines questions sur le fonctionnement du vivant, de créer un lab ou de créer une entité dédiée à la recherche pour pouvoir justement pas simplement s'appuyer sur les intuitions qui sont au cœur de notre métier, mais de s'appuyer aussi sur une analyse des faits, l'analyse de ce que fait la science, de ce que nous montre la science et de démystifier à travers des labs et puis d'injecter l'innovation pour avoir justement une deuxième voie parallèle pour influencer, pour s'inspirer et pour être injecté directement dans nos projets. Donc ça, je trouve que c'est quand même vraiment un changement dans notre façon d'exercer notre métier aujourd'hui, mené justement avec la démonstration des architectes autour de la table. Anouk Legendre, intégrer de la recherche, de la pluridisciplinarité, sortir des silos à travers notamment vos approches très avant-gardistes sur les structures dont vous nous parlerez tout à l'heure. C'est aussi une des tendances fortes de l'évolution de votre métier ? Oui, c'est vraiment un changement qu'on a initié il y a 10 ans en créant le laboratoire, en fait, le laboratoire de recherche à l'agence. Et quand on est allé voir la première fois les chercheurs dans les labos pour échanger avec eux, pour adapter leurs procédés et les intégrer dans l'architecture courante, ça paraissait tellement étonnant. Enfin, c'était une petite révolution et aujourd'hui, finalement, ça fait son chemin et ça avance. Et voilà, on est en train de construire des bâtiments avec ces technologies qui avaient l'air futuristes, mais qui maintenant fonctionnent. On a toujours eu en tête que le métier d'architecte, c'était aussi un métier très pluridisciplinaire, qu'il y avait beaucoup de métiers, de compétences autour. Mais là, se tourner vers le vivant, se tourner vers des écologues, se tourner vers des biologistes, ça, depuis 5 ou 10 ans, c'est vraiment une tendance émergente. Claire. Et à savoir que parmi les différents sujets qui sont enseignés dans les écoles d'architecture, partout sur cette planète, la biologie est un peu l'absente depuis toujours. Il n'y a pas une école où il y a l'enseignement de la biologie. Donc c'est-à-dire qu'il y a quasiment tous les autres sujets imaginables, mais la biologie est absente. Donc comment se fait-il qu'on est en train de construire des lieux de vie pour des espèces vivantes et il n'y a pas cette espèce de base de connaissance de comment fonctionne le vivant ? Donc c'est quand même, il y a aussi un projet, enfin il y a aussi une approche qui consiste à démystifier la biologie, de dire non, c'est un sujet tout à fait accessible
accessible, avec ses propres notions d'échelle dans le temps et dans l'espace, et qu'on a intérêt à s'intéresser davantage, au moins de constater que la curiosité d'un biologiste est très très parallèle à la curiosité d'un artiste architecte. Donc il faut quand même regrouper les deux et voir quand même il y a des parallèles. Et probablement, oui, je vous laisse compléter, Anouk. C'est vrai que c'est pas évident au départ d'avoir des biologistes chez soi. Enfin, à l'agence, par exemple, on a un agro et on a aussi un ingénieur biotech et, qui complète l'équipe de recherche d'IXTU. Mais bon, ça permet quand même de faire évoluer les choses et de passer vraiment au réel. Et on voit que c'est aussi une demande chez les jeunes archis, dans les écoles. On voit de plus en plus de diplômes intégrant la biodiversité, l'agriculture urbaine, etc. Et récemment, j'étais un jury à la Bartlett School à Londres, où il y a un diplôme spécifique, archibio. C'est-à-dire c'est à moitié biologie et à moitié architecture, et ils ont un laboratoire de biologie à l'intérieur de leur formation. Ils développent des matériaux, des biomatériaux qui développent en architecture 3D avec en utilisant les imprimantes 3D. Merci beaucoup. Je laisse réagir Urban Canopé et peut-être Clémence Béchuy. On reprend tes diapos juste après Olivier. D'accord. Juste pour rebondir sur la question de la recherche. Je suis actuellement chercheur aussi au laboratoire des ponts et chaussées, au laboratoire Navier, avec beaucoup de recherches sur la problématique de l'environnement, par exemple, essayer de mieux construire en bois, problématique d'analyse cycle de vie. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'architectes qui viennent faire une thèse chez nous. Les thésards, ce n'est pas seulement des ingénieurs comme avant, on a aussi beaucoup d'architectes. Donc la nouvelle génération est très préoccupée par ces questions. Ouais. Peut-être une réaction de Clémence et ensuite on reboucle avec toi Olivier et on verra comment justement l'intégration des sciences du vivant ou de la biologie, ça peut vous permettre d'innover dans vos conceptions, mais ça peut permettre aussi de vous aider à contribuer à la réintégration de la biodiversité en ville, etc. Peut-être j'en appelle à la voix de Clémence. Non, pour dire que oui, je suis tout à fait ce qui est en train de se dire. La recherche est essentielle. Il faut la faire sortir des laboratoires. Nous, en tant qu'architectes, on est intégrateurs et d'usage et de savoir et évidemment de tout ce que la recherche peut faire pour donner, faire des liens et identifier des terrains d'application. Voilà, on le fait avec des océanologues, des climatologues, des biologistes dans différentes expertises qu'on contacte selon des sujets précis, identifiés. Merci beaucoup Clémence. On revient vers toi du côté de Marseille, Olivier, pour que tu nous illustres ça en quelques exemples probablement. Eh bien, écoute, déjà un premier, après peut-être que ça fera réagir ou compléter, si on peut repasser sur les diapos. Je vous ai préparé une image. Je n'ai pas voulu vous assommer avec trop d'éléments graphiques, mais ce que vous voyez là, c'est une tour de commerce. Bon, en réalité, enfin, ce sont deux tours de commerce. C'était pour un concours à Parramatta, en Australie, à 25 km de Sydney, sans rentrer trop dans les détails, mais cette ville, qui est une ville secondaire, bien évidemment, par rapport à Sydney, souhaitait se démarquer sur le terrain de l'innovation. Et donc, ce concours date de 2013. Et donc, il voulait concurrencer Sydney sur le terrain de l'innovation. Et une des façons de le faire, c'était de nous dire, on veut être présent toute la nuit, on veut se signaler, on veut pouvoir être visible H24. Donc, premier paradoxe qui n'est pas dans le programme, c'est comment on peut être innovant et en même temps consommer des quantités phénoménales d'électricité en étant évidemment rafraîchi mécaniquement, évidemment ventilé mécaniquement et évidemment briller toute la nuit. Donc on a imaginé en s'inspirant du vivant deux systèmes. Le premier, vous voyez, c'est une sorte de cheminée centrale qui vient réunir les deux tours et qui permet de servir d'axe de circulation verticale et qui permet de faire un apport de ventilation naturelle grâce à des planchers doubles qui comprennent un vide d'air en leur centre et des prises d'air en façade et qui permettent grâce à l'inertie de ces planchers de pouvoir en saison estivale prendre l'air frais la nuit, le stocker dans les planchers et le restituer la journée et à l'inverse faire un réchauffement naturel aussi en bénéficiant de l'inertie de ces planchers. Et puis la deuxième chose, pour pouvoir s'éclairer naturellement la nuit, on s'est tourné
une idée simple, sans doute un peu folle, mais que fait à peu près 75%, que font à peu près 75% des espèces marines, c'est la bioluminescence, c'est-à-dire c'est une lumière naturelle. Et donc, on s'est dit pourquoi pas éclairer naturellement ces façades, ces deux tours. Donc, on a proposé un éclairage bioluminescent. Et puis, effectivement, c'était un peu fou. Du coup, on s'est tourné vers un labo de chercheurs qui s'appelle le MIO, qui est à Marseille, par chance et par hasard, mais qui a un labo très en pointe sur ces sujets-là. Et donc, on a monté une thèse doctorale entre 2016 et 2019, qui a été soutenue brillamment, sans mauvais jeu de mots, au mois de juin dernier, par Lisa Tanné, donc qui est devenue docteur en bioluminescence, qui est devenue docteur avec cette spécialité. Et aujourd'hui, on progresse très bien, c'est-à-dire qu'on comprend mieux la souche, ce sont des bactéries naturelles, on arrive à les faire briller avec plus d'intensité, on arrive à les faire briller plus longtemps. Là, à l'heure actuelle, on est en train de déposer un brevet sur un système d'éclairage bioluminescent. Et on a proposé dans d'autres projets après coup de pouvoir développer ce système-là. Alors pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais on progresse bien et on pense qu'on pourra le faire à l'avenir. Alain, je ne sais pas si je continue à dérouler si à ce stade. Ce que je te propose, Olivier, c'est effectivement de dérouler les 3-4 images qui restent, je crois. Okay, et ensuite, on pourra converser plus facilement. Merci beaucoup. OK. Donc, la suivante, celle-ci, c'est Bangkok. C'est un projet qui date de 2015. Alors, Bangkok, c'est une ville tentaculaire qui est à la fois extrêmement stratifiée, emmêlée, complexe, en berlificoté et à la fois qui est très verticale. Quand on tourne la tête à 360 degrés, on voit une skyline excessivement acérée. Et là, on était sur une petite parcelle entre à la fois un pavillon un tissu pavillonnaire avec quelques petites maisons qui restaient là et des tours de 50, 60, 70 étages. Un métro suspendu, en dessous duquel des trottoirs étaient suspendus, puis des trottoirs au niveau du sol. Donc, un lieu qui était à la fois très entremêlé, donc très à l'image de Bangkok elle-même. Évidemment, climat de mousson tropical, très pollué. Et le programme consistait en un centre de la mode. Donc, en fait, la réponse est une sorte d'hybridation entre un espace public et une architecture, puisque c'est un parcours tridimensionnel qui va permettre de relier le métro, les trottoirs suspendus, les trottoirs, mais aussi les tours. Donc, c'est ce que vous voyez ici en rouge et qui à la fois répondait au programme sous forme d'un podium de défilé. Et le long de ce podium, se greffaient un certain nombre d'espaces, donc des studios de création pour la jeune scène thaïlandaise, mais aussi des bars, des restaurants, enfin des lieux de vie divers et variés qui permettaient d'animer ces espaces. Et le tout était relié par un tissage en bambou, une structure minimale, donc un peu comme une, pour imaginer une toile d'araignée qui est une réponse dans la nature d'utilisation d'un minimum de surface pour avoir un maximum de résistance. Donc un matériau durable, local, le bambou, qu'on utilise avec un minimum de matière, parce que c'est pas parce qu'un matériau est durable, renouvelable, compostable, qu'il faut pour autant en utiliser beaucoup trop. Cette canopée de bambou était étanchée dessus par à la fois des jardins suspendus, donc il y avait pas mal de végétation et des essences locales qui permettent d'avoir des pigments naturels pour faire de la teinture. On récupérait le CO2, l'eau, parce que l'industrie textile est très consommatrice d'eau notamment, et donc pour permettre de fabriquer localement des textiles synthétiques qu'on pouvait aussi colorer naturellement. Donc il y avait une sorte de petit écosystème local où on captait du CO2, on récupérait de l'eau, on ventilait naturellement grâce à l'effet bimétal inspiré de la pomme de pin, et on pouvait ainsi à la fois être étanche et à la fois pouvoir ventiler naturellement. On va passer à la suivante. Alors, ce projet n'a pas abouti. Par contre, il nous a permis d'apprendre énormément sur le matériau bambou, et on a pu développer ça dans un autre projet bien concret
de façades filtrantes en bambou. Ce projet que vous avez là sous les yeux a été fait à Biarritz. C'est le pôle d'excellence sur le biomimétisme marin qui se situe à quelques encablures de l'océan dans une zone naturelle, à proximité d'une zone naturelle très très belle. Et en fait, là, la question qui s'est posée, c'était comment relier, comment trouver, assurer la continuité des trames colorées. Trame verte, trame bleue, trame brune et trame noire. La trame verte, en gros, c'est la continuité du paysage. La trame bleue, la continuité de l'eau. La trame brune, c'est tout ce qui concerne la terre. Et la trame noire, c'est nocturne. C'est-à-dire comment ne pas éclairer trop un bâtiment pour ne pas faire fuir les espèces vivantes qui vivent la nuit. On sait que c'est un problème très, très fréquent dans les villes. Donc là aussi, c'est une hybridation entre un paysage et l'architecture. Donc c'est davantage un paysage construit qu'une architecture paysagée. Et on a une continuité complète grâce à un système de voûtes en terre crue qui était présente sur le site. Le système de voûtes en compression comme ça permet d'acquérir un maximum de résistance structurelle quand on met de la terre végétale dessus et d'assurer une continuité totale entre la toiture et le sol. Donc, on faisait aussi la part belle à l'eau et au cycle de l'eau en faisant de la rétention, du traitement, de la phytoépuration et de la lombrifiltration sur place de manière à rejeter une eau propre vers l'océan qui est tout proche. Et la forme qu'on a donnée au bâtiment a été faite en fonction des espèces qu'on voulait voir accueillir sur le site qui étaient en danger pour diverses raisons, qui avaient perdu leur habitat. Donc, on peut passer sur le suivant. Et peut-être une leçon de celle-ci, c'était d'avoir une approche filière, c'est à savoir qu'un bâtiment ne devient plus une source d'investissement, mais aussi une potentialité d'économie, en l'occurrence d'économie bleue à l'échelle de la région, puisqu'on avait scanné les différentes entreprises, maçons, carrières et autres pour proposer une filière terre crue locale à l'échelle de la région. Ce projet ici, donc là j'en ai fini avec les projets terrestres, c'est un projet marin, qui s'appelle Biolumrif, qui a reçu en 2017 un prix à la Fondation Jacques Rougerie Institut de France, qui est un récif artificiel inspiré d'une éponge et d'une coquille d'oursin, et qui ambitionne de reconnecter l'homme avec son environnement originel, qui est la mer, et de proposer, grâce à ce récif, de limiter l'impact des vagues sur le trait de côte, donc son érosion, mais aussi de proposer des abris pour la biodiversité et de limiter l'impact des ancres des bateaux sur les Herbia posidonii, qui sont un fournisseur primaire de dioxygène endémique de la Méditerranée absolument colossal. Voilà, donc ça consistait en une promenade sous-marine, à la fois protégée de l'eau puisqu'on est sous l'eau, mais à l'intérieur du bâtiment, aussi sous l'eau et également à la surface. Et là aussi, on proposait, il y a toujours ces trois dimensions dans les projets qu'on essaye de développer, à la fois l'autonomie pour les hommes qui viennent y vivre, donc énergie renouvelable, houle motrice, solaire, production de micro-algues, production de bioluminescence, et donc d'avoir un petit cercle vertueux en autonomie et positif pour la biodiversité, régénératif. Donc ce projet n'a pas abouti, mais par contre il aboutit à un autre projet très concret grâce à l'appui et à l'accompagnement de la Fondation Jacques Rougerie et du groupe Vika sur un colonisateur artificiel, un colonisateur de milieu profond, donc qui est lui aussi inspiré d'une éponge et qui est aujourd'hui imprimé en béton 3D, qui est dans des bassins de l'Ifremer pour des tests, et vous voyez un petit robot sur son dos parce qu'il va être immergé à 2500 mètres de fond, donc ça permet de boucler la boucle avec la toute première diapo de ma présentation qui consistait à dire on s'intéresse aux écosystèmes, qu'ils soient tout au fond de l'eau ou tout en haut des montagnes. Et donc ce projet est inclus dans un projet de recherche européen avec beaucoup de scientifiques et des tas de spécialités. Il va nous permettre de mieux comprendre
le milieu marin profond dans le contexte de réchauffement climatique. Et il va nous permettre de mieux comprendre la bioluminescence, puisque c'est à ces profondeurs-là qu'ont été isolées les bactéries sur lesquelles on travaille avec les chercheurs du MIO. Et il sera, une fois que la pandémie globale sera un peu plus sous contrôle, il sera immergé donc sur le plancher de la Méditerranée par le fameux sous-marin jaune, le Nautil de l'Ifremer. Et ce dernier projet est également un récif artificiel. C'est une bouée de subsurface qui permet de faire un ancrage, un mouillage écologique pour éviter que les bateaux viennent raguer les fonds des herbiers à Posidonie. Voilà, j'ai été assez long, peut-être. Un dernier point, puisque j'ai fini sur les projets marins. Si Alain, tu me laisses juste une minute, ça sera ma petite conclusion pour l'instant. C'est de dire que effectivement, Tangram est très très impliqué dans l'impact qu'on peut avoir sur les villes et sur les écosystèmes via le Tangram Lab. J'ai parlé de Jacques Rougerie, de la Fondation Jacques Rougerie et de Jacques Rougerie Architecte, qui est de longue date très impliqué également sur ces thématiques. Et du coup, je vous partage cette chose pour vous dire qu'une autre manière d'envisager l'avenir et de réimaginer le futur en prenant en compte la biodiversité, c'est que Jacques Rougerie Architecte est un grand architecte. S'allie dans une belle alliance pour créer le Biomimetics Lab, qui est donc la continuité du Tangram Lab, pour aller encore plus loin et pour réunir nos forces pour mettre le biomimétisme en avant et pour peser davantage et avoir un impact le plus large et le plus efficace possible. Voilà. Bravo Olivier. Remontre-nous la page en te mettant un peu plus loin pour qu'on voit le logo de Tangram aussi, pour qu'on voit. Voilà. Ah pardon, j'avais mal cadré. Formidable. C'est mieux comme ça. Yes. Merci beaucoup. Voilà. Très belle nouvelle aventure qui à la fois se poursuit parce que vous travaillez déjà ensemble, mais ouvre un nouveau chemin et on connaît toute. L'amitié, la sympathie qu'on a vis-à-vis de Jacques Rougerie, qu'on salue à chaque fois que l'on peut, parce qu'on sait que Jacques est quelqu'un de formidable, c'est aussi un poète. On parlait d'utopie réaliste sur l'émission précédente. C'est un poète réaliste qui nous embarque vers de beaux horizons. Donc bravo Olivier, un architecte qui s'inspire du vivant et qui parfois essaie de recréer de la vie, notamment à travers le projet de récif artificiel. Merci Olivier. De toute façon, tu restes avec nous. Je vais vous inviter à réagir. Je vais vous inviter à réagir notamment sur cette capacité de l'architecture à être aussi dans des approches régénératives. Tu as parlé de ressources et de capacité et de volonté d'être économe en ressources et d'utiliser des ressources locales. On va en discuter, mais je sais que Clémence Béchu a une contrainte horaire parce que votre métier est fabuleusement passionnant, mais il est aussi parfois soumis à du temps long, qui est celui de la recherche, et du temps très court, qui est celui des compétitions et des concours. Et je sais que du côté de Clémence, c'est un peu tendu en ce moment. Donc merci Clémence d'être avec nous et de passer quelques minutes à partager ton point de vue. Et ensuite, tu pourras t'éclipser tranquillement quand tu voudras. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'Élodie va mettre la présentation. Oui, on va passer. Voilà, c'est parti, Clémence. D'accord. On les voit. Je vais rentrer directement dedans. Pareil, quelques mots d'introduction. Donc, nous, on est une agence d'architecture et d'urbanisme familial. Je représente la quatrième génération. C'est important parce que ce caractère familial nourrit la recherche de durabilité qu'on a pour nos projets, avec la conviction que les agences traditionnelles et que le métier de l'immobilier en général devait se renouveler et doit se renouveler pour mieux répondre aujourd'hui aux attentes des populations en matière de qualité de vie, de lien social, de protection de l'environnement, des nouvelles technologies, etc. En devenant, comme le disaient nos confrères sur le plateau et Olivier en duplex, en devenant des véritables laboratoires de recherche et d'application, voilà, avec ce lien à faire avec le monde de la recherche. Et donc, dans cette recherche, la nature est quelque chose qui, évidemment, a
un impact et un apport très important. Cette recherche de nature et d'inspiration, elle est dans notre ADN, nous, depuis longtemps. Ce qui fait qu'on a, on a des projets qui sont conçus et construits, et c'est important parce que pouvoir comme ça massifier les exemples qui prouvent l'efficience de la démarche biomimétique est essentiel pour accélérer le mouvement. Voilà, l'enjeu étant de faire en sorte que nos projets architecturaux et urbains participent vraiment à la quête de résilience des villes, en allant plus loin que de réintégrer de la nature au sein des villes, qui est déjà bien, mais dépasser ça pour faire en sorte que ce soit la ville elle-même qui se réintègre au cycle de la nature. Alors, je vais vous montrer quelques chiffres qui sont importants parce qu'ils sont vraiment structurants dans l'importance de cette démarche. C'est que les villes, à horizon 2050, couvriront 3% de la planète tout en hébergeant 80% des populations. Alors ça, c'est des impacts très importants. D'abord, des impacts qui donnent naissance aux enjeux du changement climatique, qui lui-même sont responsables de 3 phénomènes brusques et difficiles à prévoir qu'on connaît, qui sont les îlots de chaleur urbains, la pollution de l'air, les problématiques de qualité de cet air-là, les catastrophes naturelles, et avec des effets indirects comme celui de la pandémie actuelle que l'on connaît. 80% de la population en 2050 qui vivra dans les villes, ça signifie aussi que 80% de la nourriture sera consommée dans les villes, donc avec tous les enjeux liés à la ville nourricière qu'il est important de pouvoir développer et dont il était sujet juste avant cette session. Voilà, et donc quand on regarde la nature, on voit qu'elle sait s'adapter, elle le fait depuis des millions d'années, en ayant beaucoup appris, en ayant aujourd'hui beaucoup à transmettre. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de cultiver une démarche d'urbanisme générateur pour pouvoir créer des villes à l'image de la nature qui elles-mêmes sauront s'adapter. Voilà, donc avec cette question, et si les lois de la nature inspiraient nos projets immobiliers avec toutes les vertus qu'a cette nature. Alors ça, c'est pas nouveau parce que l'humain s'est toujours questionné sur les apports que la nature pouvait avoir sur des mécanismes à développer. On appelle ça aussi le bon sens des anciens. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le développement des technologies, et nous concernant dans notre profession de l'architecture, le design paramétrique, nous permet d'intégrer à nos dessins des mécanismes très complexes qu'on sait désormais observer et comprendre pour les adapter à des besoins précis. Voilà, donc cette nature, elle est source d'inspiration pour la conception de, de nos projets à toutes les échelles. Léonard de Vinci l'avait déjà dit, scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. Lavoisier en avait fait aussi sa ligne directrice, avec le fameux « rien ne se perd, tout se transforme ». Voilà, donc aujourd'hui, pour nos projets immobiliers, on a besoin de cette nature qui ne consomme que l'énergie dont elle a besoin. On a besoin d'observer de cette nature et sa capacité à s'adapter, à être active au changement climatique. On a besoin d'observer cette nature pour comprendre comment est-ce qu'elle récompense les coopérations et s'approvisionne en circuit court. On en a besoin aussi pour concevoir des nouvelles structures plus légères, économes en matériaux, recycler les matériaux, etc. Pour passer au slide d'après, l'idée sur celui-là, c'est de vous montrer que on peut travailler cette observation de la nature, ce biomimétisme ou plus largement la bio-inspiration à multi-échelle, à l'échelle de l'architecture, à l'échelle plus large de l'urbanisme et puis évidemment à l'échelle de l'intérieur. Précisant ici que tout ce qui est bio-inspiré n'est pas forcément biomimétique. Il est important de préciser que le biomimétisme est une approche qui nécessite une collaboration scientifique et qui se prête donc à certaines occasions, à certains objectifs, à certains enjeux. Ce qu'il faut retenir, c'est que de près ou de loin, la façon dont on utilise cette nature dans son observation et l'application de ses process, elle fait du bien. Et donc, comme je disais, nous, on a la chance d'avoir pu concevoir et construire ce qui fait l'objet depuis sa création d'un partenariat qu'on a avec le CBIOS pour développer cette démarche, la rendre intelligible, l'évoquer auprès de nos clients, des collectivités avec lesquelles on travaille. Et raison pour laquelle on a participé avec notamment Tangram et In-Situ Architecture à cofonder le Biomim City Lab au sein du CBIOS. Voilà, et puis pour finir, je voulais vous montrer rapidement 5 projets qui cultivent justement cette même approche.
Donc, la tour des deux à la Défense, qui est une exostructure qui s'inspire des exostructures du vivant et qui nous a permis de faire le gain de 30% de matière. À Skolkovo, en Russie, l'observation de l'organisation sociale des pingouins qui sont organisés en cercle concentrique pour générer, pour le coup, des îlots de chaleur qui les protègent du froid. Donc c'est une observation et un travail qu'on a fait en lien avec des biologistes et qui nous a permis, grâce aux paramétriques, d'organiser un schéma directeur et une implantation de maisons qui, elles-mêmes, par îlot, génèrent des îlots de chaleur de 5 degrés qui permettent ainsi de minimiser les besoins de chauffage de ces maisons en plein hiver quand il fait moins 40. Il en fait plus que moins 35 au cœur de l'îlot. On a un autre projet dont la construction va démarrer prochainement au milieu du désert à Layoun au sud. Qui lui est issu de la compréhension et de l'analyse des lignes du désert et de la façon dont ces nervures permettent aux biotopes présents d'aller chercher de la fraîcheur. Cette compréhension-là et cette adaptation au dessin nous a permis de concevoir un bâtiment qui sera passif à 80%, donc c'est important. Le centre d'excellence en biomimétisme marin dont Olivier parlait, donc qui est un projet auquel on a été compétiteur, est un projet sur lequel on a travaillé avec une océanologue, Françoise Gail, qui est chercheuse au CNRS et qui est expérimentée et grande experte du monde des abysses, et le professeur Yves Tour, qui lui est climatologue, à la Columbia University, nous a permis de développer un bâtiment qui reprend tout le process écosystémique de l'estran, ce plateau continental qui vit les flux et reflux des marées, pour réussir à développer un bâtiment qui, à l'image des acidies qui filtrent les eaux de la mer, lui filtre les eaux de la terre. Donc on a un bâtiment qui filtre 100% des eaux qui lui arrivent dessus et des eaux usées pour les recycler, les utiliser, ce qui n'est pas utilisé, reverser à la nature avec des eaux propres et filtrées. Et puis, parce que le logement y a droit et que le biomimétisme doit aussi servir les projets de tous les jours, on pousse l'idée de faire pousser des bâtiments de logement à l'image des plantes, en suivant la stratégie phytotaxique des plantes qui positionne les feuilles de façon à permettre d'assurer une photosynthèse optimisée, et qui là nous permet, au niveau des bâtiments, de pousser le bioclimatisme à l'échelle de l'appartement et pas seulement à l'échelle de l'enveloppe, pour utiliser de façon astucieuse le soleil et le vent toute l'année et minimiser les besoins de technologie. Voilà. Merci, merci beaucoup Clémence. Je voudrais qu'on rebondisse sur ce panorama, parce que tu as parlé d'approche à multiples échelles et à travers différents exemples. Je me tourne vers le plateau. Olivier, tu pourras réagir également, et notamment vers Anouk Legendre et Stephen Ware, mais Urban Canopé réagira. Quel est, de votre point de vue et dans vos activités à vous, l'effet de levier sur lequel vous cherchez le plus à agir quand vous pensez biomimétisme et bio-inspiration? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est les économies de matière? Est-ce que c'est des bénéfices écosystémiques liés à la réintroduction de biodiversité en ville? Est-ce que c'est le cycle de l'eau? Vous allez me dire c'est tout ça à la fois, mais n'empêche qu'on a toujours des priorités, on agit plutôt sur un levier que sur un autre. Donc qu'est-ce qui vous dicte et quels sont vos objectifs prioritaires quand vous pensez à ce que le biomimétisme peut apporter comme valeur ajoutée dans vos métiers? Eh bien, pour nous, ça a commencé par l'îlot de chaleur et la question de l'énergie. C'est comme ça qu'on est arrivé au végétal. Mais aujourd'hui, ça traite tout en même temps. L'énergie, l'îlot de chaleur, le traitement de l'eau et la biodiversité. Et dans la petite présentation, c'est ce que je pensais mettre. On va la voir dans une minute, Anouk. Peut-être un complément de réponse, Stephen Ware? Oui, je pense que j'ai deux mots en tête. C'est la stabilité. La nature fonctionne toujours en fonction d'une stabilité qu'il faut maîtriser, que ce soit la température de notre corps, pour que toutes les fonctions métaboliques puissent continuer à tourner normalement. Alors, on sait que quand on enfin a une température qui commence à monter, c'est panique à bord, tout de suite on commence à traiter. Alors avec notre planète, ça a pris du temps avant qu'on commence à dire un petit changement de température. Donc stabilité et diversité. Plus qu'il y a de la diversité, que ce soit biodiversité ou diversité en fonction de la
la résilience, parce qu'il y a certaines choses qui pourraient se déplacer, prendre la place des autres. S'il n'y a pas cette diversité, on a une fragilité. Donc maintenir la stabilité, ça commence avec la température, maintenir la diversité, c'est la résilience. Merci Olivier, tu compléteras, mais d'abord Urban Canopée, vous prioritairement, alors on sait bien, vous réintroduisez du végétal et de la biodiversité en ville, mais vos priorités à vous quand vous pensez biomimétisme? Alors nous la priorité, c'est lutter contre les îlots de chaleur urbains, et nous le côté biomimétisme, c'est en fait reproduire la canopée, mais dans les villes. Donc vous savez, la canopée, cette couche supérieure des forêts qui est en fait la plus riche en termes de biodiversité, celle qui est en contact tout de suite avec la lumière, donc le maximum de photosynthèse, de masse foliaire, et donc d'avoir un maximum de couvert végétal pour avoir un maximum de rafraîchissement, et que ce soit aussi des structures qui soient les plus autonomes possibles. Donc justement ce que vous disiez, que ce soit aussi durable et que ça fonctionne tout seul quoi. Merci Olivier, peut-être un complément de réponse et ensuite on va voir les diapos d'Anouk Legendre. Ouais, mais Alain, je vais pas être très original en te disant que c'est un peu le tout mon capitaine, c'est-à-dire que énergie, matière, déchets égale ressources et biodiversité, on essaye systématiquement de que ces dimensions-là soient toutes présentes. Alors peut-être dans des proportions différentes en fonction du contexte, en fonction de ce que le projet ou le site va nous dicter. Mais pour qu'un projet soit équilibré, on essaye systématiquement de ne rien oublier. Et même si c'est pas beaucoup, il faut que pour que ce soit efficace, il faut que tout soit présent dans le projet. Merci beaucoup Olivier. On reviendra quand même un peu plus tard dans la conversation sur cette approche régénérative, qui est quand même aussi une des grandes tendances du moment. Je me retourne à nouveau vers Anouk Legendre et ensuite Stephen Ware et on aura une démonstration en plateau de la structure Urban Canopée. Anouk Legendre, on vous laisse nous expliquer votre approche. Merci beaucoup. C'est possible d'avoir les images ? Ah, pardon. Nous, on s'est inspiré au début de notre travail par un animal des mers du Sud. C'est une limace de mer, elle s'appelle Elysia chlorotica, elle est très jolie, elle ressemble à une feuille. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle s'associe avec une algue pour faire la photosynthèse. Les animaux, vous savez, ça ne fait pas la photosynthèse, c'est l'apanage des plantes. Mais elle prend les chloroplastes de l'algue et elle les range sur son dos. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a une forme de feuille, parce que c'est un gros capteur solaire, en fait. Et donc, on s'est dit, si Elysia chlorotica peut faire ça, alors peut-être on peut faire la même chose dans les villes. Et peut-être on peut le faire de façon massive, avec des moyens simples, très simples, et qui déjà fonctionnent. C'est même plus de l'expérimentation, il faut juste le vouloir. On peut, par exemple, déminéraliser la ville de façon massive. C'est un choix politique. Le centre de Paris, ça pourrait devenir aussi une île végétale sur certaines parties. Et on a analysé la ville elle-même pour se dire comment est-ce qu'on pourrait déminéraliser massivement. On a vu que toutes les rues n'étaient pas utiles, par exemple, pour la circulation, pour le commerce. Et donc, on pourrait enlever le bitume totalement sur la rue et en faire des jardins et en faire tout un réseau qui serait lié aux rivières. On pourrait même réouvrir les petits ruisseaux qui passent sous la ville et qui rejoignent les égouts. Et on pourrait faire la même chose avec les bâtiments. Et on l'a déjà fait. Et chez XTU, on a même utilisé toute l'agence pour en faire un gros démonstrateur. Par exemple, ici, voilà, on est au 7e étage, il y a des jardinières tout le long de l'agence et on voit des arbres qui poussent et qui sont en autonomie, qui poussent dans 45 cm de terre et qui font une petite forêt tout autour de l'agence. Et on l'a aussi réalisé dans des bâtiments, on peut faire la même chose, accueillir la nature dans des bâtiments neufs aussi et construire des serres dans les façades. Maintenant tout le monde est habitué à avoir des potagers sur les toits, mais sur ce projet qu'on a réalisé il y a quelques années, c'était nouveau et c'était pas partout. On peut réinventer le balcon de façon nouvelle en travaillant sur la préfabrication pour intégrer la terre à l'intérieur de l'épaisseur du balcon elle-même et pas seulement en jardinière, et comme ça construire une sorte de forêt verticale à la façon du Bosco vertical. Et ça,
on est en train de le construire, c'est dans le cadre de réinventer Paris, dans le 13e arrondissement. On peut reconquérir les toits, ça aussi, c'est une des avancées des dernières années, et ça sera sans doute l'un des traits marquants de ce nouveau siècle, la conquête des toits par les habitants, pas seulement pour cultiver, mais aussi pour y passer du temps, pour avoir un espace nouveau dans la ville. Et en faisant ça, en fait, toute cette surface horizontale des toits, des rues, etc., c'est autant de surfaces qu'on pourrait massivement végétaliser. Et c'est aussi une façon d'accueillir la biodiversité. Là, on le voit sur la terrasse de l'agence, on a hacké le toit. Et pour faire des expériences qui évoluent d'année en année, on regarde quels invasifs arrivent, comment ça évolue, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est intéressant. Et ça amène à changer l'architecture. Du coup, on a une architecture qui est plus avec des terrasses, plus ouvertes. Les habitants vont pouvoir s'investir eux-mêmes. Et ça fait partie aussi de l'expérience qu'on fait, de voir comment on peut s'investir soi-même et pas demander à des entreprises de le faire, ce qui est le cas aujourd'hui, souvent. Et ça change l'architecture et ça la fait évoluer. Et par exemple, dans ce projet qu'on est en train de réaliser à La Réunion, dans un endroit très sec, on change l'écosystème local et le climat local avec ces balcons jardinières qui vont filtrer les eaux du bâtiment. Tout ce qu'on a appris sur la phytorémédiation, on peut le faire maintenant en façade. Et comme ça, on a de l'eau disponible dans un endroit sec pour faire pousser des plantes. Et ces plantes et cette zone humide tout autour qui scintille le bâtiment, on fait passer des courants d'air dessus et ça va rafraîchir naturellement. Et comme ça, on est dans la limite des 25 degrés sans avoir recours à la climatisation. Et là-bas, il fait très chaud. Et avec toute cette eau récupérée, on peut aussi réinventer la façon de faire la ville, de faire les parcs. On peut réutiliser les friches urbaines comme dans cette usine des eaux, en refusant de construire là où on nous demandait de construire et en faisant un grand parc aquatique qui devient un réservoir de biodiversité. Vous savez, quand on a l'eau, en fait, on tire toute la biodiversité en même temps qu'on fait de la fraîcheur. Et puis, ces méthodes, ces techniques qui sont des évolutions de ce qui existait déjà, finalement, on a développé des systèmes plus high-tech, comme ici, sur ce projet dans le 13e arrondissement. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'il y a quelque chose qui apparaît dessus. Et... D'accord, pardon. Et comme vous savez peut-être, on développe un système de culture de micro-algues dans les façades, ça s'appelle des biofaçades. Donc c'est des murs rideaux remplis d'eau, comme des aquariums plats. On les alimente en eau, en gaz carbonique. Il y a des micro-algues qui poussent, qui transforment le gaz carbonique en biomasse utile pour faire des super aliments ou des médicaments. Avec ça, on va pouvoir faire produire à la ville des choses qui avant étaient produites par la chimie. Et donc, avec ça, peut-être on va faire produire en masse et peut-être transformer un monde qui est dominé par la chimie pour en faire un monde qui est plus ouvert à la biologie. Et cette fertilisation de l'architecture peut se produire aussi en concevant la ville autrement, à plus grande échelle, pas seulement sur la façade, en déminéralisant les quartiers neufs qu'on va construire, en les construisant plus denses pour continuer à cultiver. Et ici, dans ce manifeste Agriville pour une ville cultivée par les agriculteurs, on était associé sur le projet de réinventer la métropole avec des agriculteurs qui autrefois cultivaient ce site. En cultivant en agroforesterie, devant les bâtiments, entre les bâtiments, dessous et dessus, une sorte de millefeuille. Et avec le même système, on peut réaliser des clusters innovants, mais en même temps avec des techniques éprouvées, où on mixte production en circuit court, végétal, biodiversité, voilà, un marché productif qui est aussi un marché où on va cultiver. Et on peut créer des écosystèmes entiers, comme dans ce projet à Hangzhou, en Chine, où on mixe les deux technologies qu'on a développées, le végétal dans les façades et les façades à micro-algues, de façon à faire un écosystème de l'eau qui rafraîchit, qui s'organise avec les courants d'air, qui filtre l'eau et pour fabriquer de la fraîcheur. Voilà, c'est pour dire que c'est une question de volonté, il faut juste le faire massivement. On n'a pas besoin de super technologies, il faut juste le vouloir. Et ça peut aussi lier entre le low-tech et le biotech. Il faut trouver le bon équilibre.
Merci beaucoup Anouk Legendre. Très important et très intéressant de rappeler que effectivement ce souhaitable est possible. Il existe déjà, bien souvent. C'est une question de volonté. Alors volonté politique, mais volonté de l'ensemble des décideurs, volonté de nous-mêmes aussi, hein, pour accepter cette réappropriation de la ville par le vivant. Je voudrais juste une réaction. On va voir ensuite l'intervention de Steven. Mais je pense que du côté d'Urban Canopée, cette idée de devenir des hackers des toits, ça doit vous plaire, ça, quand même. Alors oui, bien sûr, c'est tout l'enjeu. C'est comment justement réintroduire du végétal dans nos villes, là où on n'a pas forcément idée que c'est possible. Donc il y a plein de solutions qui sont possibles. On voit qu'il y a une multitude de choses qui sont réalisables. Il faut juste en effet le vouloir, se lancer. Et nous, justement, on vous présentera tout à l'heure une solution qu'on peut proposer justement aux architectes pour justement avoir des structures qui soient légères sur les toitures, sans endommager bien sûr le toit, avec des plantes grimpantes qui vont pouvoir tapisser une structure par-dessus le toit, pour en fait végétaliser au maximum. Et en effet, ça peut être aussi riche c'est riche en biodiversité, mais aussi en nourriture, par exemple, plein de plantes différentes, que ce soit de l'ordre mental ou pas. Absolument. Voilà. Anouk Legendre a un peu parlé d'un certain nombre de bénéfices écosystémiques. On parle aussi de villes fertiles, de villes nourricières. Et on verra avec vous, et notamment avec Xavier Tellier, une démonstration de la façon d'optimiser aussi la surface végétale, inspirée aussi de petites choses qui existent dans le vivant. Steven Ware, on a parlé d'envie. Les architectes auraient-ils envie aussi de changer le monde ? Merci de témoigner pour Artbuilt, mais aussi de nous parler d'un mouvement international des architectes qui s'engage et ont envie de faire bouger les choses. Merci beaucoup, Steven. Oui, merci à toi, parce que je voulais parler aujourd'hui ça va devenir un mouvement, je crois, mais ça a commencé comme une pétition. C'était d'ailleurs Michael Pollan qui était un des fondateurs de cette pétition, qui a commencé sa vie en Angleterre il n'y a pas très longtemps, il y a un an, peut-être un tout petit peu plus, mais puis le temps s'étend avec le confinement, etc. On commence à perdre un peu nos repères. Mais est-ce que vous allez projeter le diaporama? Donc on peut aller tout de suite, je pense, vers le cœur du sujet. Donc, c'est une déclaration. C'était les architectes au début qui ont décidé de manifester leur engagement pour agir par rapport à ces changements climatiques et cette urgence climatique et écologique. Et donc, ce mouvement a commencé comme une pétition d'abord. Je vais très rapidement parler un peu de comment cette pétition est arrivée en France. Donc, d'abord, on est allé chercher d'autres acteurs en France qui sont connus pour leur démarche particulièrement renforcée et on va dire efficace. Donc beaucoup d'acteurs architectes impliqués dans la construction bois, qui est considéré, enfin en tout cas nous portons la conviction que la construction bois est un fort vecteur vers la décarbonisation de notre métier, de notre activité. Aussi des acteurs comme Encore Heureux qui sont impliqués dans la démarche de l'économie circulaire. Donc on a lancé cette pétition, on a créé le site, et puis on a eu dans l'espace de quelques mois une bonne presque 500 signatures des architectes. Je les ai vérifiées moi-même, chacun, pour être sûr qu'ils étaient inscrits à l'ordre, etc. Donc c'est vraiment 500, on va dire, architectes qui partagent avec beaucoup d'implication cette démarche pour agir rapidement et manifester leur engagement via cette pétition qui va devenir encore autre chose dans les mois qui viennent, et je vais vous expliquer. Mais d'abord, quelle est la nature de cette pétition? Bon, voilà, aujourd'hui, cette pétition a pris une échelle quasiment globale ou mondiale, avec plus de, je pense que c'est 6 000 signatures. Il y a aussi des ingénieurs qui portent aussi cette déclaration, mais d'autres acteurs, même des promoteurs et d'autres acteurs qui sont impliqués dans la construction aussi, qui s'engagent aussi à respecter et à diffuser davantage les mots de notre pétition. Alors, on
va commencer, on ne va pas rentrer dans le sujet très rapidement, mais il nous semblait important parce que beaucoup d'acteurs, quand je suis allé voir leur site, ceux qui ont signé la pétition, demandaient mais comment faire, comment faire, comment faire. Alors, il me semblait que c'était une évidence que devenir biomiméticien, s'inspirer par la nature, etc., était une façon très, très efficace de mettre en place et de développer des manières et des vecteurs pour pouvoir exercer, pour pouvoir aller vers cet idéal, ce qui est la décarbonisation de notre métier et l'augmentation de la biodiversité. Donc, le biomimétisme, je pense, est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est une façon aussi d'inviter ces cabinets, ces architectes, ces confrères et consoeurs, de rejoindre le mouvement de la biomimétisme. Biomimétique. Voilà. On va parler beaucoup de mots. Je maîtrise mal la langue de Molière, mais bon, là, on va parler un tout petit peu de ces mots. Mais grosso modo, dans les différents points, je pense qu'il y en a 8 au total, sensibiliser. Donc, sensibiliser, c'est super important parce que je pense que peu de gens dans notre métier ont compris l'urgence. Et c'est la question de temps dans la nature, on ne joue pas avec. Il faut agir vite. Donc, cette question de dire, ben voilà, non, on n'a pas le temps de dire, OK, peut-être le prochain projet, non, c'est ce projet-là. Chaque projet est important dans le temps. Diffuser, justement, donc on commence par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la démystification. Comprendre pourquoi il est important d'agir. Pourquoi les scientifiques disent X et nous, on doit agir en conséquence. Il faut comprendre, démystifier le langage des scientifiques. Après, comprendre comment ils interprètent les différents sujets et communiquer. Comment aborder, comment traduire ces différentes, parfois, des mots assez techniques pour ceux qui sont dans le métier de la construction et dans la construction des villes. Parfois, il faut faire office de traducteur pour ces éléments qui viennent d'un monde scientifique. Deuxièmement, j'ai du mal à avoir la vitesse. Donc, je viens de l'évoquer, l'importance d'agir vite. Certains disent on a 10 ans pour sauver la planète. Ben, je pense que peut-être un peu moins. Il faut commencer maintenant. Voilà, donc, entre les différents intervenants, les ingénieurs aussi partagent leur façon de communiquer, démystifier cette notion d'urgence. Quand on regarde le principe de Huber qui explique aujourd'hui où on en est par rapport à l'énergie nécessaire pour extraire la matière pour construire ou pour faire quoi que ce soit, par rapport à l'énergie que ça va nous donner, on parlait de fossiles d'abord, tout à l'heure, où est-ce qu'on est sur cette courbe-là? Ben, on est vraiment sur la pente descendante, c'est-à-dire qu'on n'a plus les ressources nécessaires pour aller extraire les ressources qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, il faut changer radicalement notre approche par rapport à l'extrapolation des ressources. Donc, ce schéma-là, pour moi, ça parle énormément de là où on est par rapport à cet avancement. Donc, vitesse. Les ressources, j'adore ce truc. C'est un enfant de 10 ans qui a mis sa main sur une espèce de pâte qui contient les nutriments égards. Et puis, on voit comment les différentes bactéries, etc., se reproduisent. Donc, ils ont chacun une façon d'exploiter la matière qui leur est donnée, les ressources. Et puis, petit à petit, ça se développe. Or, nous, notre espèce, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a développé des façons d'exploiter les ressources et de s'organiser qui sont loin des cycles de la nature. Donc, on est en train, vraiment, comme on voit bien dans la courbe, on est en train d'arriver à l'épuisement de nos ressources. Et puis, il faut radicalement repenser cette façon, cette modèle de construire les villes. Alors, c'est comment diffuser justement les différentes informations. Les prix, c'est très important. Je sais qu'ici, on a, peut-être c'est la trophée du BMM. De BMM Challenge, donc c'est ce type d'initiative qui permet aussi de voir comment le process de biomimétisme peut être mis en place, parce que c'est pas simplement hop, je vois quelque chose et j'essaie de l'imiter, c'est comment on met en place le process de recherche pour aboutir à quelque chose qui aura la valeur pour les autres. Le partage, c'est ce qu'on a vu, je pense, dans les diapos qu'on a vu tout à l'heure. En général, les villes sont construites en silos. On a tendance à penser que le bâtiment doit s'occuper de lui-même, peut-être utiliser son propre énergie, mais il y a très, très peu de partage entre les éléments qui composent nos villes. Or, dans la nature, voilà, ce qu'on découvre de plus en plus avec les scientifiques, que on n'est
plus dans une notion darwinien de compétition, mais de partage. Ça commence dans les forêts avec le partage de carbone et plein d'autres choses qui passent par les champignons dans la terre. Quand on commence à regarder cet effet systémique qu'on observe dans la nature, on commence à comprendre qu'il faut vraiment se tourner vers un système collaboratif dans les villes. On partage les ressources dans les villes et c'est pas accumulé pour soi, etc. C'est partagé. Partager l'électricité, partager la lumière, partager l'oxygène, partager la diversité et les services écosystémiques de façon générale. La notion de benchmark est de plus en plus importante. Quand on fait quelque chose, il faut comparer ce qu'on est en train de faire par rapport à ce qu'on sait faire déjà. Donc ça aussi, c'est un engagement très important. Les benchmarks aujourd'hui, pour ne pas parler des certifications, sont très, très nombreux quand on veut analyser le côté vertueux, oui ou non, est-ce qu'on est bon ou pas. Aujourd'hui, si vous regardez un peu dans le détail, la façon de benchmarker, ça devient très, très sophistiqué. Mais il faut avoir cette notion synthétique de ce qu'on essaie d'obtenir quand on réalise un projet, quand on conçoit un projet et surtout quand on livre un projet. Il faut aller voir le projet pour voir si vraiment on était à la hauteur, le bâtiment, enfin l'objet est à la hauteur et la réception auprès du public, les occupants, est à la hauteur de ce qu'on a imaginé dans la phase des études. Alors, la notion de upgrade, c'était difficile de trouver un parallèle dans la nature, mais j'ai gratté un peu la tête. Je trouve que, voilà, un petit bouchon en plastique, et puis il y a cette crabe, et les crabes ont l'habitude de le faire, mais dans la nature, oui, ils savent justement réapproprier certaines choses pour faire leur habitat. Aujourd'hui, on parle, est-ce que c'est vraiment nécessaire de construire aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas simplement réhabiliter les bâtiments qui existent déjà? Mais voilà, il y a des exemples dans la nature aussi, ça c'est un petit clin d'œil quand même. Après le life cycle, même pas besoin d'expliquer ça. Aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir long terme, pas simplement le cycle de la promotion, 2 ans, 3 ans. Il faut penser vraiment démontabilité, comment vont être exploitées les ressources dans le très long terme. Ça c'est de nature une démarche biomimétique. La régénération, et alors là, j'ai trouvé quelque chose que je trouvais assez fabuleux, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que la nature fait aujourd'hui pour régénérer? Mais ça commence avec les sols. À gauche, vous voyez un peu une coupe sur les sols, et vous voyez la peau, à droite, la peau humaine. La peau humaine est un exemple fantastique de la régénération et comment on peut irriguer, comment irriguer et s'occuper d'une complexe, multivariable et extrêmement sophistiqué. Donc je pense qu'on peut s'inspirer de comment fonctionnent les peaux pour regarder comment on peut augmenter justement la résilience et la productivité de notre petite couche qui s'appelle la peau de la terre. Voilà, c'est les sols, que ça soit en ville, que ça soit à la campagne. Donc il y a une forte passerelle qui pourrait être créée entre ces deux-là. Voilà, le upcycle. Pour moi, il n'y a pas mieux que l'œuf. Les différents oiseaux mangent parfois les os cassés, parfois toutes les choses qui sont un peu issues de la décomposition de d'autres organismes, et puis fabriquent à froid d'ailleurs, enfin presque à froid, les œufs. Et quand on commence à analyser la structure de la coque d'œuf, on est absolument frappé par l'intelligence. Non seulement c'est une structure extrêmement efficace, mais c'est aussi une barrière qui permet de protéger l'organisme contre les maladies, etc. Donc l'œuf est un exemple dans la nature parfaite du upcycling. Comment prendre quelque chose qui n'a presque plus de valeur et de faire quelque chose d'extrêmement important avec une autre valeur par rapport au vivant et nos besoins. Voilà, le low carbone, ça, c'est clair, ça a été dit, on consomme énormément de carbone dans notre métier, construire les bâtiments, construire les villes. Est-ce qu'il y a des solutions? Ben, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en disant, ben, est-ce qu'on peut faire une thèse chez vous sur la fabrication du verre inspiré par ces créatures, ces éponges qui arrivent à synthétiser le silicone pour synthétiser le verre à froid. Donc, est-ce qu'on peut faire un truc
trucs à partir de ça. Ben voilà, ça c'est un travail très très long terme, mais tout ça pour dire que les exemples existent dans la nature de la construction ou de la synthétisation ou de la fabrication des éléments de construction, mais à basse température. Donc des approches bas carbone existent déjà dans la nature et on peut aller les chercher, de les développer et de les adapter à l'échelle de notre métier. Voilà, la frugalité, c'est très important. Et je termine avec ce diapo-là parce que frugalité veut dire économiser les ressources et économiser l'énergie nécessaire pour aller chercher les ressources. Je trouve que les oiseaux sont probablement les créatures, à part les hommes, qui ont des habitats ingénieux, efficaces, qui sont des manifestations chaque fois dans la frugalité. Un oiseau doit bien compter son énergie pour aller chercher sa matière pour construire son nid. Et on voit dans la nature une diversité de différents habitats, chaque fois avec un équilibre parfait entre l'énergie nécessaire pour aller chercher ses ressources et l'architecture qui en résulte de leur conception et construction. Merci beaucoup Stephen Ware, Artbuild, parce que d'abord parce qu'on a démarré la semaine avec le réveil écologique, le mouvement de jeunes étudiants, et donc on est ravis. Évidemment, les architectes sont des hommes et des femmes du monde et des citoyens du monde. Et donc, on est ravis aussi de cette forme de mouvement qui est en train d'émerger au sein de la communauté des architectes. Et puis, on avait aussi démarré cette semaine avec Alain Bougrain-Dubourg de la LPO. Donc, merci pour ce petit clin d'œil avec cet oiseau. Et puis, pour cette deuxième grande partie, extrêmement utile, je pense que l'émission va être revue en replay pour prendre des notes, parce que d'une certaine manière, est-ce qu'à travers ces 8 grands mots, ces 8 grandes règles, tu n'as pas finalement aussi rappelé des grands principes du vivant qui peuvent inspirer le métier et vos métiers d'architecte? Il y a une évidence quelque part dans notre démarche qu'on doit trouver des parallèles, on doit trouver la résonance de notre activité de construire l'habitat pour notre espèce. On doit trouver la résonance dans la nature et l'exemple de la nature. Donc c'était pour ça que j'essaie d'aller chercher les exemples qui pouvaient illustrer un peu la proximité de ce qui paraît un texte relativement froid par rapport à un engagement déjà un processus qui existe déjà auprès des concepteurs. Merci, des villes. Merci pour ce rappel de ces grands principes. Olivier Bocquet, on te laissera réagir juste après l'intervention d'Urban Canopé, parce que je pense que ça résonne aussi, ces grands principes rappelés par Steven, Anouk Legendre également, évidemment. Mais on voudrait voir la démonstration, parce qu'on a Urban Canopé et Xavier Tellier qui va s'improviser en Jérôme Bonaldi, parce qu'il va nous faire une démo sur le plateau. Pardon, j'ai des références, je me rends compte que de notre génération peut-être. À vous, Urban Canopy. C'est parti. Alors juste avant, je vais faire une petite présentation quand même d'Urban Canopy. Qui on est? Canopy. Oui. Mais les deux peuvent se dire. Hop. Donc nous, on est concepteurs d'infrastructures vertes en milieu urbain. Et donc on est une jeune société, ça fait 3 ans qu'on existe, issue des laboratoires de l'école des ponts et chaussées. Et on a une bonne nouvelle, voilà, on voulait la partager avec vous, c'est qu'on vient juste de lever 1,7 million d'euros auprès de la Banque des Territoires, donc avec la Caisse des dépôts, et BTP Capital Investissement, donc on est très contents. On continue l'aventure et plus fort que jamais, justement, Xavier va vous présenter le futur avec Urban Canopy. Alors bon, là je vais aller très rapidement, je ne vais pas vous reparler des problématiques des villes, on le sait très bien, urbanisation galopante, température de plus en plus forte, et pollution, bien sûr, mais restons quand même positifs. Il y a une solution, c'est justement la nature, le végétal. On sait aujourd'hui que la végétalisation, c'est la meilleure climatisation naturelle qui existe au monde. Mais malheureusement, dans les villes qui sont denses et minéralisées, on ne peut pas forcément déminéraliser tous les sites. On ne peut pas planter d'arbres partout. Donc oui, végétaliser massivement les villes est la meilleure solution, mais on ne peut pas planter massivement des arbres partout. On a des problématiques de charge, des réseaux souterrains, des parkings, etc. Donc face à ça, voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous le but c'est de recréer des canopées en milieu urbain. Et donc vous nous voyez souvent avec un quart du visage peint en vert, parce que si on végétalise un quart d'une ville en plus, on peut baisser sa température de 2 à 4 degrés. Et donc on a commencé avec ce modèle-là, donc qu'on appelle Corolle, donc qui fait seulement 1 mètre carré au sol pour 50 mètres carrés de végétal. Et donc
derrière d'ombrage porté. Donc ça fait 5 mètres de haut. Et donc c'est composé en fait de trois choses. Vous avez un pot avec une réserve d'eau, 200 litres, une réserve de substrat de 300 litres, des barres, donc des tiges, c'est un grid shell, ce que va vous présenter après Xavier sur les formes derrière, et bien sûr la composante principale qui est le végétal. Et donc en fait, nous, on a une solution bio-inspirée, c'est qu'on utilise du vivant, on reprend ce qui existe dans le vivant avec du vivant. Donc voilà, nous, c'est des plantes grimpantes qu'on utilise. Et donc aujourd'hui, on a installé 70 structures en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, on est très contents, on a fait les premières exportations pendant le premier confinement, à Riyad et en Australie, très récemment. Voilà, et donc, bien sûr, donc, ce que je disais, la composante principale qui est donc le végétal. Donc, il y a plein de plantes qui existent, c'est vraiment l'avantage de l'ornemental ou même de la fruitière, justement. Et donc, nous, on travaille beaucoup en R&D là-dessus, sur ces sujets-là, sur la R&D d'aujourd'hui, les plantes d'aujourd'hui, mais aussi et surtout les plantes de demain. Et donc, on travaille avec notamment l'INRAE et un partenaire pépiniériste, les pépinières Javois. Voilà, et donc cette technologie, en fait, elle repose sur deux innovations qui sont brevetées. Donc, un sur le déploiement structurel de la corolle et un sur les assemblages structurels. Mais bien sûr, si on veut végétaliser un quart des villes en plus, les corolles ne seront pas suffisantes. Et donc, il faut qu'on aille plus loin, bien sûr aussi pour tout ce qui est trame verte et bleue. Et donc, notre but, c'est vraiment de recréer en quelque sorte les jardins suspendus de Babylone. Mais pour ça, Xavier, comment fait-on ? Pour ça, on propose d'utiliser le fait que les structures qu'on utilise, les grid shell élastiques, on peut faire plein de formes avec ça, en fait. On peut faire la corolle, mais on a aussi accès à une variété, un potentiel énorme de formes possibles. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, un grid shell élastique. Tu vas me tenir le micro. Alors, regardez. On va venir prendre une barre en matériaux composites. Ce sont pour l'instant des fibres de verre, mais on travaille sur des composites biosourcés également, des fibres de lin. Donc c'est un matériau qui est plus résistant que l'acier, mais qui est légèrement plus flexible et plus léger. Ce matériau, ces barres, on va venir les connecter avec les noix de connexion brevetées, dont Elodie vous parlait. Ce sont des noix spéciales qui vont autoriser une rotation entre les barres, à la fois rotation en ciseaux, mais à la fois aussi une rotation des barres relativement à la noix. Et on va les assembler pour former une grille. Regardez, on a une grille, un objet qui est facilement transportable sur site, elle est assemblée en atelier, et on va pouvoir venir déployer cette grille sur le chantier et venir la mettre en forme par flexion élastique. Par flexion élastique, ça veut dire qu'on ne va pas abîmer le matériau, on va rester largement en dessous de sa limite élastique. Et donc, on va avoir accès, comme ça, à une énorme variété de formes à partir de ces briques de base, à partir de nos barres et à partir de nos noix. Attends, je vais peut-être reprendre, ça va être plus simple comme ça. Donc voilà, on a accès à des formes à la fois pas chères, qu'on peut installer rapidement. Et alors vous allez me demander, je vous dis tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus de grid shell élastique comme ça autour de nous ? Ben, la principale raison, c'est la complexité qu'elles engendrent. Complexité au niveau des assemblages. Donc vous avez vu, là, on a dû développer une noix sur mesure pour autoriser les rotations nécessaires. Complexité aussi au niveau du calcul et au niveau de la validation structurelle. Donc pour ça, on utilise des résultats récents de recherche de l'École des Ponts et Chaussées pour venir valider, calculer nos structures. Mais alors, si on a autant de formes possibles, la question se pose, lesquelles choisir et comment les concevoir? Et pour ça, on va s'inspirer de la bulle de savon. Alors la bulle, vous connaissez tous la bulle sphérique, mais si on vient déformer le contour sur lequel une bulle s'appuie, on peut obtenir tout un panel de formes à la fois harmonieuses et en même temps optimales d'un point de vue mécanique. Si vous regardez cette forme de bulle, elles sont capables de reprendre la pression interne dans la bulle avec des contraintes de tension isotropes uniformes. Ça veut dire qu'on n'a aucune concentration de contraintes nulle part. Ça veut dire que le matériau est utilisé de façon optimale. Alors, ces bulles, elles sont en plus remarquablement adaptées à la conception architecturale. Regardez un exemple. Ici, on a la grande verrière du British Museum, qui était développée par les ingénieurs et architectes de Norman Foster. Et regardez, en bas, à droite, on a fait une petite réplique à échelle réduite qui suit exactement les contours de cette verrière. Et on est venu souffler une bulle de savon dessus. Et la forme qu'on trouve, elle est remarquablement proche de celle qui a été retenue pour le projet final.
Alors, regardez maintenant comment on va pouvoir imiter la physique de la bulle dans la recherche de forme. La bulle, c'est aussi un objet qui va chercher à avoir la forme, comme Olivier nous disait tout à l'heure, qui va chercher à avoir l'air la plus petite surface pour venir englober un volume donné. Et ça, minimiser une quantité, c'est quelque chose que les ordinateurs savent très bien faire. Il y a des tonnes d'algorithmes extrêmement performants qui permettent de le faire. Vous avez des exemples de surfaces générées de façon numérique pour refaire des géométries de verrière, verre, acier. Pour nos grilles élastiques, la seule chose qui va changer, c'est qu'elles ne vont pas chercher à minimiser leur surface, mais vont chercher à minimiser la flexion des barres. Les barres vont chercher à revenir, à devenir rester le plus droite possible, et c'est ça qui va donner la forme à notre structure. Hop. Donc aujourd'hui, à Urban Canopy, on utilise cette méthode de génération de forme, de venir contrôler la forme exactement comme on contrôle une bulle par les bords et en venant contrôler le volume à l'intérieur, en venant souffler plus ou moins pour développer toute une gamme de nouveaux modules végétalisables. On a donc notre objectif, c'est de proposer une gamme de solutions paramétrées qui puissent s'adapter facilement au site, à des géométries complexes, proposer une nouvelle façon de venir végétaliser un bâtiment, que ce soit des bâtiments existants, des bâtiments futurs. Là, on a un petit exemple en haut d'une petite canopée en lien avec ce que Anouk Legendre nous disait. En lien, on n'est pas seulement sur de la placer un couvert végétal, mais on est aussi sur l'idée de venir habiter les toitures. Et là, on va venir apporter de l'ombrage. C'est quelque chose qu'on peut faire de façon efficace avec nos structures, utiliser les plantes comme ombrage sur les toitures. Et le tout avec des structures légères qui vont transmettre un minimum de force au bâti. Donc, ici, vous avez un module sur lequel on est en train de travailler, une arche végétalisée. On a une forme à double courbure qui nous permet d'avoir une structure remarquablement légère et résistante et qui va être facilement transportable également et facilement et rapidement déployable sur site. Alors, un autre avantage qui n'est pas structurel cette fois de nos plantes, de nos structures, c'est qu'elles vont nous permettre de guider la végétalisation. Et ça, je vais vous laisser Élodie vous en parler. Merci Xavier. Oui, tout à fait. Donc, ce que disait Anouk tout à l'heure, c'est qu'il y a des très très beaux résultats de bâtiments végétalisés comme le Bosco de Milan. Il y a aussi un exemple qui où il y a eu des petits soucis. Vous voyez à gauche, c'est en Chine. Donc, c'est un bâtiment qui a été pour le coup complètement pris par la végétalisation et littéralement envahi par les plantes au point de faire fuir leurs résidents. Et donc, nous, justement, le but de ces structures légères sur lesquelles on vient faire pousser des plantes grimpantes, c'est de justement guider le chemin du végétal, donc c'est permettre au végétal de retrouver sa place dans la ville, mais de permettre en fait une cohabitation en osmose parfaite entre d'un côté l'habitant, le bâti, et de l'autre côté la nature, le vivant, le végétal. Voilà, bah, merci beaucoup. Et puis donc pour tous les architectes qui seraient intéressés par ce type de solution, eh bien, n'hésitez pas, on serait ravis de travailler avec vous et de construire justement cet habitat du futur ensemble. Je doute pas. J'ai deux questions. D'abord, Xavier, on n'avait pas préparé, donc, mais je pense que tu vas avoir une force de calcul mental. Pour avoir une idée, sur un carré de 10 mètres par 10 mètres, 100 mètres carrés au sol, on peut, grâce à cet effet bulle, faire quoi ? Fois 1,5, fois 2, fois 3 en surface végétale ? Surface végétale, oui, on va arriver facilement sur un fois 2. x2. Après, une idée, c'est de venir utiliser ces modules pour, par exemple, végétaliser les façades. Auquel cas, le rapport sur la surface au sol, voilà, ça peut être, ah oui, ça peut être infini. Sûr, bien sûr. Et ma deuxième question, comment travaillez-vous avec des botanistes, des écologues, des biologistes pour évidemment avoir les plantes adaptées au quartier, à la ville, au pays, à la région, évidemment. Bien sûr. Donc pour ça, on a des compétences agro au sein de l'équipe. Donc on a des ingénieurs agronomes qui travaillent là-dessus. Et puis on travaille aussi avec les pépinières Javois et l'INRAE justement sur ces thématiques-là pour justement trouver justement les meilleures plantes. Parce que en effet, les plantes grimpantes, il y a déjà aussi des accroches différentes. Il y en a qui sont volubiles, avries, des rampantes, mais aussi voilà qui sont pas certaines plantes qui sont pas adaptées à tout type de climat. Et donc c'est justement suivant les projets, quelle plante choisir, quel substrat aussi lui donner. Et donc tout ça, bien sûr, c'est des choses qu'on fait en interne et avec justement les pépinières et l'INRAE là-dessus.
Super. Et j'ai une dernière question. Une fois qu'on a des plantes là-haut à 10 ou 12 mètres, comment on entretient tout ça ? Alors justement, l'entretien, c'est pour ça qu'on a travaillé sur des mobiliers urbains végétalisés en premier lieu, pour vraiment maîtriser vraiment le process. Et donc justement, ce sera exactement la même chose qu'avec les structures qu'on a au sol, à savoir des pots qui contiennent une réserve d'eau, une réserve de substrat, une irrigation intelligente pilotée à distance ou par irrigation passive. Donc on est en train de travailler là-dessus sur des pots, voilà, irrigation passive, sans besoin voilà, de système de goutte à goutte. Et donc ce sera exactement la même chose. On met des pots, des bacs et ça fonctionne tout seul. Voilà. Steven, Anouk, j'imagine que vous travaillez déjà sur des approches de végétalisation, mais c'est intéressant de voir ces innovations. Oui, j'admire énormément la démarche. Je sais que la perception publique de la nature en ville n'est pas forcément facile à maîtriser, parce que, bon, à un moment donné, il y a une centaine d'années, on a quasiment aseptisé les villes pour des questions, voilà, pour la perception de la nature, c'était quelque chose de mauvais. Il fallait que ça reste à la campagne. Aujourd'hui, avoir la nature en ville, ça, il faut quand même accompagner ces projet aussi avec des questions, des réponses aux questions. Est-ce que voilà, le pollen ne pose pas de problème? Est-ce que ça va, voilà, qui va faire l'entretien? Est-ce que ça va consommer beaucoup d'eau? Donc ces démarches sont vraiment vraiment pas faciles, pas évidentes à suivre. Donc je suis en pleine admiration pour cette démarche-là, parce que s'il faut absolument aller plus loin dans oui. cette dans cette. Mais ça passe aussi par de l'acceptation culturelle. Exactement. Genre. La question de l'entretien, elle est quand même très très intéressante, parce qu'elle est récurrente dans tous les cas. La nature, ça évolue. Sur le toit des villes circulent les plantes sous forme de graines. Donc on voit toutes sortes de plantes arriver. Et finalement, il y a deux philosophies par rapport à ça. Soit on en fait quelque chose de productif et il y a une entreprise qui gère ça. C'est ce qu'on fait par exemple avec les façades à microalgues et nous sommes en train de créer avec nos partenaires une société d'exploitation de la façade à microalgues qui va s'engager pour cultiver pendant 20 ans et cultiver et vendre les produits hein, et développer la molécule. Et l'autre solution, c'est que ça fonctionne tout seul, c'est-à-dire qu'on ne s'en préoccupe pas, ou alors que les habitants s'en emparent en fait. Et ça, que les habitants s'en emparent, c'est quand même très très intéressant, parce que finalement ça leur fait une occupation, enfin, c'est aussi quelque chose de philosophique, s'occuper des plantes. De toute façon, il faut toujours s'en occuper, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent. On ne peut pas laisser sans rien faire. Évidemment, on peut demander le service à une société pour le faire. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est d'en faire une occupation pour les gens et une activité. Ça devient quelque chose de social. Et ça change leur philosophie. Au lieu de vivre dans un monde mort et minéral, ils vivent dans un monde vivant et ils participent à ça. C'est un des grands bénéfices des approches en matière d'agriculture urbaine. On était juste avant avec Nicolas Bell de Topager. On sait bien toutes les vertus sociales aussi et de liens sociaux de ce type d'approche. De toute façon, le retour de la nature en ville, je me souviens, Newcorp, on avait réalisé une étude il y a 2-3 ans sur le sujet. Ça fait partie des grandes attentes de la population. Envie de retour en ville, on l'a bien vu d'ailleurs au moment du premier confinement. Le deuxième était un petit peu plus distendu. Mais au moment du premier confinement, le manque de nature a été clairement ressenti, et notamment par les urbains. On ne t'a pas oublié, Olivier Bocquet, à Marseille. Je parle fort parce que tu es loin. Il nous reste 4-5 minutes. On voudrait ta réaction sur ce qu'on a dit, et peut-être aussi sur ce qu'a rappelé tout à l'heure en matière de grands principes du vivant. Ouais, écoute, je vais prendre une ou deux minutes. Moi, les travaux d'Urban Canopy me font penser résonnent pour moi aux travaux avec les travaux de Fraiotto, par exemple sur le Stadium Dominique, qui sont inspirés des toiles d'araignée ou des bulles de savon, mais des structures minimales. Et puis, au-delà de ça, les origamis, les pliages sont des solutions qui sont extrêmement employées dans la nature. On le voit avec les feuilles, avec des enroulements foliaires, les fleurs. Parce que c'est quelque chose qui permet effectivement de stocker un maximum de matière dans un minimum de place, et donc se déployer et venir retrouver une position d'origine. C'est quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la poésie, de l'élégance. Et on n'en a pas parlé, on a parlé de nature utile, mais on a besoin de beauté, on a besoin d'élégance, on a besoin de tout ça. Donc je trouve ça super intéressant aussi de ce point de vue-là.
Après, sur ce que nous a raconté Steven, ben moi, je suis à fond pour ça parce qu'on a effectivement besoin de tout le monde. On a besoin que les gens s'unissent, qu'on est beaucoup plus forts ensemble, qu'il y ait cette volonté de la part de nos confrères. J'en suis très heureux parce qu'on a besoin. On sait que la volonté citoyenne, tu le rappelais avec l'étude que NewCorp a faite là récemment, et on a besoin de s'unir, de se réunir, de faire ensemble pour obtenir cette masse critique. La volonté citoyenne est là, et du coup la volonté politique qu'a appelé de ses vœux et qu'on appelle tous de nos vœux va suivre automatiquement. Je voudrais juste vous dire un mot sur le Biomim City Lab, qui est un groupe d'experts sur la ville et l'architecture dont j'ai la chance de faire partie, et NewCorp également. Clémence, je ne sais pas si elle est encore avec nous, mais je suis associé, en font partie. On a Eiffage, Elan, ICAD, Renault aussi, donc on a et Nobatech, donc différentes parties prenantes de l'immobilier qui font un travail depuis un an. On avait lancé ça l'an dernier à l'édition précédente de Biomim Expo. A pas mal travaillé, va sortir là incessamment sous peu un état de l'art des projets urbains bio-inspirés. Donc c'est une autre forme de collaboration, une autre forme mais absolument complémentaire de gens qui en fait ont pris conscience que je pense, et ça sera ma conclusion, l'homme a besoin de se reconnecter avec le vivant non humain. Et tout le siècle là qui vient de s'écouler, c'était je pense, une déconnexion de l'homme avec son milieu naturel. Donc, on a besoin de ça et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Et après, pour terminer, Alain, te remercier très fortement Biomim Expo et la Biomim Week de nous mettre en avant et de contribuer à cette réunion multidisciplinaire. Évidemment, aujourd'hui, c'est la journée de l'architecture et de la ville, mais le biomimétisme est extrêmement multidisciplinaire. Et puis, le CBIOS, qui pour le Biomim City Lab dirige ses travaux et très un fer de lance, le fer de lance du BCL et le fer de lance du développement du biomimétisme en France. Donc merci à tous pour ça. Merci Olivier. Bon vent à Rougerie Tangram au Biomimétisme, ouais. Lab. C'est aussi une forme d'association qui pousse dans cette direction-là aussi. On en est très heureux. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à tous, pour cet éclairage sur cette architecture bio-inspirée, réinventée, nouvelle vague, au service tout simplement de la vie et de nos vies quotidiennes. Merci. Alors Clémence Béchu a été prise par une urgence. Merci Clémence d'avoir participé avec nous au début de cette émission et à une bonne partie de cette émission. Olivier Boquet qui était à Marseille pour Tangram, Steven Ware pour Art Built, Anouk Legendre pour X2, et Xavier Tellier et Elodie Grimoin pour Urban Canopy. Merci beaucoup. On se retrouve à 14h30. On va parler aussi de la façon dont on peut réinventer, comment on peut bâtir les villes. On va être avec un propos introductif de Philippe Clergeau qui va nous parler de villes biodiversitaires. On a beaucoup parlé de l'importance de la diversité et de la diversité de la vie, mais aussi diversité culturelle et de compétences et de talents. Et donc, on se retrouve à 14h30 pour parler de ça. Et on aura une séquence spéciale à 17h avec le 3D Experience Lab d'AssoSystem et en association avec Technique de l'ingénieur. On va se brancher avec le lab, le 3D Experience Lab de d'AssoSystem à Vélizy, et on va rentrer dans un casque virtuel 3D pour voir comment les outils de simulation et de modélisation 3D peuvent nous aider à concevoir peut-être des structures comme celle-ci. À tout à l'heure, 14h30, bon déjeuner.